Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette finale locale 2022 d'Expo Sciences. Je me présente, je m'appelle Nicolas Bédard, je vais être un de vos animateurs pour ce soir. J'ai eu le plaisir de co-organiser en fait l'événement de Expo Sciences 2022 du Cégep de Thetford et du Centre des services scolaires des Appalaches avec Bérénice Doyon qui est enseignante au Cégep de Thetford en biologie, avec Mélanie Bélanger qui est enseignante en sciences au secondaire à la polyvalente de Thetford Mines. Et avec Kantu Pang, qui est conseillère en pédagogie en sciences. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné des deux directeurs généraux des centres de recherche de la région qui vont vous présenter les gagnants du Expo Sciences 2022. Donc, bonjour David Berthiaume, directeur général de Chemitech. Bonjour. Également, Madame Annie Rochette, qui est présente, directrice générale de chez Coalia. Bonjour. Et nous sommes également accompagnés de Mme Kantu Pang, qui est conseillère justement pédagogique à Bonjour. Thetford Mines, qui va faire aussi le dévoilement des gagnants. Donc, avant de commencer, je veux vous présenter justement cette finale, qui est la quatrième finale d'Expo Sciences du Cégep de Thetford et du CSSA. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir eu des étudiants qui ont participé cette année et qui ont osé participer à Expo Sciences et osé la science, justement. Et nous allons vous dévoiler les gagnants de cet événement dans quelques minutes, mais avant tout, nous avons quelques petits messages à vous faire. Première des choses, j'aimerais vous parler un petit peu plus en détail de qu'est-ce que c'est qu'Expo Science. Donc, Expo Science, c'est un événement qui s'organise à travers le Québec au grand complet et même qui peut aller un petit peu plus loin au Canada et à travers le monde, qui regroupe des jeunes de 6 à 20 ans qui veulent découvrir un petit peu plus qu'est-ce que c'est que la science, que ce soit dans une catégorie de vulgarisation, de conception ou d'expérimentation. Les étudiants et les élèves des écoles peuvent justement découvrir la science et expérimenter à leur façon. Donc, nous présentement, nous vous présentons les gagnants de la finale locale et ces gagnants seront invités à aller participer à la finale régionale qui se tiendra à Québec. Donc, cette année, les participants devaient réaliser une capsule vidéo qui présente les détails de leur projet et devaient aussi fournir un rapport qui détaillait en détail qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur recherche. Ces capsules vidéo et rapports étaient ensuite présentés à des juges qui devaient les évaluer pour choisir lesquels étaient les meilleurs de chaque catégorie. Et je tiens à vous mentionner que chacun des projets des étudiants va être disponible pour le visionnement. Donc, les capsules vidéo des étudiants sont sur YouTube en ce moment, pardon. Et vous allez avoir le lien de chacun de ces vidéos dans la description de l'événement actuel lorsque l'événement sera terminé et qu'il sera disponible en rediffusion. Donc, avant de continuer avec le dévoilement, je vous ai dit qu'on avait quelques messages. Les deux directeurs, justement, des centres de recherche voulaient vous présenter qu'est-ce que les centres de recherche font dans la recherche au Cégep. Donc, j'invite Annie à commencer. Bonsoir. Alors, Coalia est très fière de participer à cette finale locale d'Expo Sciences 2022 au Cégep de Thetford. Coalia a contribué à l'Expo Sciences du Cégep de Thetford depuis à peu près 5 ans. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Coalia, c'est un centre de recherche appliquée qui est spécialisé en technologie minérale et en plasturgie, donc deux programmes de formation qui sont enseignés au Cégep de Thetford. Nous, on travaille sur, en fait, on réalise des projets de recherche sur les matériaux et leur transformation, donc les substances minérales d'une part, les plastiques d'autre part, et les mélanges, les composites, les amalgames entre les substances minérales et les substances plastiques dans le cadre des matériaux avancés. Par exemple, en plasturgie, on va travailler au niveau de nouvelles technologies, par exemple l'impression 3D. D'ailleurs, au cours de la finale, vous avez pu voir un vidéo, un projet qui a été réalisé sur l'impression 3D, ici au Cégep de Thetford. On va travailler sur la bonne utilisation des plastiques, sur l'utilisation des bioplastiques en agriculture ou dans toutes sortes de domaines. Dans le domaine des technologies minérales, par contre, on va travailler sur les minéraux critiques et stratégiques. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Vous avez peut-être vu la pub à la télévision. Donc, on parle du lithium, on parle du graphite, pardon, qui sont des éléments essentiels pour toutes les nouvelles technologies, les technologies de l'information, pour les technologies médicales, mais aussi pour tout ce qui est véhicule électrique ou transport électrique. Donc, au Cégep de Thetford,
Coalia a ses laboratoires. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la plasturgie, sur ce qu'on fait dans les technologies minérales, sur les matériaux avancés, venez nous visiter entre deux cours, venez faire un petit tour, on sera très heureux de vous accueillir. Bonne chance à tous les finalistes. À mon tour, je crois. Donc, David Bertillon, directeur général de Chemitech. Alors, Chemitech, c'est le centre collégial de transfert de la technologie en chimie verte et en mise à l'échelle de procédés. Ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille vraiment à verdir l'industrie chimique, la chimie partout, dans tous les produits que l'on consomme, que ce soit des produits, des détergents, des lubrifiants, le carburant, les plastiques, effectivement. Donc, la chimie est vraiment partout, elle nous entoure. Et nous, on essaie d'aider les entreprises à améliorer leurs impacts sur la santé humaine, sur l'environnement, et d'éviter la pollution ou d'utiliser des matières qui sont plus renouvelables, qui sont plus vertes. Et on a une équipe qui est constituée d'ingénieurs, de chimistes, de techniciens, d'opérateurs. Et bon, on accueille aussi des stagiaires pour venir travailler sur les projets de recherche que l'on a. On a des projets de recherche dans plusieurs domaines, que ce soit dans les plastiques renouvelables, que ce soit dans les matériaux de construction biosourcés, que ce soit dans les carburants plus verts. Donc, plusieurs choses très intéressantes. Alors, on vous invite aussi à venir nous visiter. Et ça nous fait plaisir de se joindre à nouveau à Coalia, au Cégep de Thetford, à la commission scolaire pour pouvoir supporter la génération de demain, les futurs scientifiques. Alors, félicitations à tout le monde d'avoir participé. Vous êtes tous des gagnants. Mais bref, ça nous fait plaisir de participer à cette soirée encore une fois. Donc, merci David et Annie. Nous sommes maintenant rendus au moment tant attendu de la soirée, donc le dévoilement des gagnants. Nous avons trois catégories distinctes de prix qui vous seront présentées respectivement par Cantu, David et Annie. Donc, on vous encourage à réagir tout le long du dévoilement des gagnants sur la discussion en direct sur YouTube. Nous allons commencer par les prix décernés aux étudiants du secondaire. Premièrement, c'est vraiment un bonheur d'être ici ce soir pour annoncer la bonne nouvelle, donc des gagnants. Cette année, nous avons eu quatre beaux projets, donc qui provenaient de la polyvalente de Thetford Mines et de la polyvalente de Black Lake. Des élèves qui ont su nous présenter avec clarté, rigueur, puis aussi avec humour. On a passé tellement un beau moment en tant que juge, là aussi, avec ces beaux élèves. Donc, voici les projets en lice. L'équipe de Raphaël Gagné et Julien Laflamme ont conçu un robot qui n'a pas peur des escaliers en Lego. L'équipe de Samuel Turcotte et Clémence Vachon ont conçu un environnement pour observer l'évolution des vers de farine. Anne Mailloux a présenté une recherche incroyable sur la mémoire et Chania Lessard a présenté un projet incroyable aussi pour concevoir un œil bionique. Deux projets ont su se démarquer. C'est le temps. Donc, le projet qui a été sélectionné par les juges comme premier prix pour catégorie secondaire est La mémoire d'Anne Mailloux. Donc, Anne a présenté un travail de recherche sur la mémoire qui était très bien vulgarisé. Donc, félicitations, Anne. Bravo. Le projet, donc, deuxième prix. Le projet qui a été sélectionné pour nous représenter, donc, le Centre de services scolaires des Appalaches à la finale régionale de Québec est L'œil bionique de Chania Lessard. Chania a présenté un très beau projet de conception d'un œil bionique, projet sur lequel elle travaille depuis déjà quelques années. Donc, félicitations, Chania, et félicitations encore une fois à aux quatre équipes qui ont participé. Ça a été vraiment un bonheur de vous voir parler de science de la sorte. Et nous allons maintenant passer au projet du niveau collégial, dont les gagnants seront présentés par David et Annie. Bref, on passe au volet collégial dans la catégorie vulgarisation. Alors, cette année, les projets du collégial s'inscrivent dans deux catégories, comme je vous l'ai dit, vulgarisation et conception. Expérimentation. La première catégorie, c'est la vulgarisation. Les participants devaient étudier un sujet en profondeur à partir de plusieurs sources d'informations crédibles afin de rendre disponible à un vaste public et de façon vulgarisée les connaissances scientifiques et techniques propres au sujet qu'ils avaient choisi.
Les participants devaient être en mesure de poser un œil critique sur les sources d'informations utilisées, les méthodes scientifiques qui étaient proposées et avoir la capacité de jugement nécessaire pour assurer la qualité de leur présentation. Alors, il y a eu 15 projets qui ont été présentés. Les participants ont su mettre à profit leur créativité lors de la réalisation des capsules vidéo afin de bien communiquer leurs résultats. Alors, sans plus tarder, voici les récipiendaires dans la catégorie vulgarisation de cette 4e édition de la finale locale d'Exposciences. Donc, le 3e prix pour une bourse de 175 $. On va roulement de tambour. Alors, le projet gagnant, ennemi nuisible ou ami comestible? Alors, les participants de l'équipe étaient Charles Elliott Boujak, Zachary Oud et Gabriel Pelletier. Résumé du projet, leur projet visait à sensibiliser les gens par rapport à l'alimentation à base d'insectes, en mettant de l'avant le contexte mondial dans lequel on se trouve actuellement et en démontrant efficacement les avantages sur le corps humain et la planète. Ils espéraient convaincre le public qu'une alimentation à base de viande n'est pas la solution à long terme. Une population qui serait ouverte à changer son mode de vie pourrait tirer plusieurs bénéfices de l'alimentation à base d'insectes, peut-être plusieurs projets de recherche à faire pour développer des produits à partir de cette matière première. Sait-on, pour les années futures? Le deuxième prix, je crois que c'est Annie. Alors, le deuxième prix dans la catégorie vulgarisation, pardon, c'est le projet La nature, source d'inspiration, réalisé par Xavier Julien Stacy, Picard, Sarah Maud Charret et Jérémy Moreau. Alors, en résumé, le projet La nature, une source d'inspiration, présente les bénéfices du biomimétisme dans la recherche scientifique. La peau des requins y est présentée comme une innovation de la nature, pouvant grandement servir dans le domaine de la santé, notamment par la réduction de la transmission de certains virus, comme la COVID-19. Le projet présente également en détail la technologie CRISPR-Cas9 et les possibilités futures qui y sont rattachées. Félicitations à nos gagnants. Et sans plus attendre pour le premier prix catégorie vulgarisation pour une bourse de 350 $. Alors, roulement de tambour, le projet gagnant, une radiographie de la Terre. Alors, les participants, Michael Bianchi-Massé, Camille Grondin et Christophe Moquin. Alors, résumé du projet. Une radiographie de la Terre présente les nouvelles possibilités de l'exploration souterraine en rapport avec l'utilisation d'une partie des rayons cosmiques, les muons, dans un procédé similaire à celui d'une radiographie, mais à plus grande échelle. Il présente des cas d'études et des situations où cette nouvelle technologie pourra être appliquée autant d'un point de vue archéologique que minier. Alors, félicitations à l'équipe gagnante. Maintenant, dans la troisième partie du concours, la partie conception et expérimentation. La catégorie conception et expérimentation, ou c'est dur à dire, comporte les projets contenant une section pratique. Les participants du volet expérimentation devaient démontrer leur savoir-faire afin de vérifier une hypothèse sur un sujet qui les passionne, et ce à travers la méthode scientifique. Les participants du volet conception devaient quant à eux approfondir les concepts scientifiques et techniques sous-jacents de leur création et se les approprier. Ensuite, à partir de maquettes ou de schémas, ils devaient concevoir un prototype et le tester. À la lumière du rendement de leur prototype, ils ont pu suggérer des pistes d'amélioration dans la perspective d'une éventuelle application concrète de leur dispositif. Cinq projets ont été présentés au juge. Nous avions au départ prévu décerner deux bourses pour les gagnants, mais les juges ont eu tellement de difficultés à départager la deuxième place qu'il a été convenu que les deux équipes en lice mériteraient tout autant de gagner un prix. Donc voici les trois équipes gagnantes. Alors, pour le premier, deuxième prix, parce que là, Exactement. si j'ai bien compris, il y a deux fois, hein? Donc, la deuxième place dans la catégorie conception-expérimentation est présentée aux deux équipes suivantes. Ben là, j'ai deux cartons, alors je vais prendre le premier. Alors,
Le premier, deuxième prix. Le projet gagnant. Contrôler l'évolution, c'est possible. Alors, le nom des participants, Brendan Bilodeau et Félix-Olivier Cloutier. Alors, résumé du projet, ces deux participants ont développé un logiciel permettant aux jeunes et moins jeunes de s'intéresser à l'évolution d'une population au fil du temps. On peut, entre autres, y observer l'impact de l'environnement sur la taille de la population et la capacité de survie de leurs créatures en fonction de certains traits. Donc, félicitations pour ce premier, deuxième prix. Et là, je prends tout de suite mon deuxième carton. Hein? Alors, on est généreux comme ça, mais ça, c'est preuve que les gens se sont dépassés. Alors, pour le deuxième prix, projet gagnant, le projet COVID de Laura Brière. Le projet COVID consiste à synthétiser certaines molécules permettant de créer un polymère virucide qui pourrait être appliqué sur certaines surfaces critiques. Ce polymère permettrait notamment d'augmenter la protection microbiologique du matériel médical. Félicitations, donc deux super projets. Et pour le premier prix, et le seul, le plus grand, donc pour une bourse de 350 $, dans la catégorie, le premier prix expérimentation et conception, le projet gagnant est le projet l'usage et l'efficacité de la flore antibactérienne. Les participants sont Jérémy Abran, Laura Brière à nouveau, Marie-Jeanne Mercier, Marika Roberge. Le résumé, cette équipe a extrait l'huile essentielle de deux arbres poussant au Québec, le sapin baumier et la pruche du Canada, ainsi que de l'eugénol du clou de girofle, afin d'évaluer leurs propriétés antibactériennes. Félicitations à toute cette belle équipe. Bravo! Bravo! Donc, félicitations à tous nos gagnants. Nous allons maintenant passer au dernier prix de la soirée. Le dernier, mais non le moindre, le prix coup de cœur du public. Donc, les vidéos des participants ont été rendues disponibles sur YouTube depuis la semaine dernière déjà. Les gens étaient invités à aller voter pour le projet qu'ils préféraient. Donc, je vais laisser la place à Kantupang pour vous dévoiler le prix coup de cœur du public qui a reçu le plus de mentions j'aime durant la semaine dernière. Donc, pour une bourse de 300 $ avec un nombre de mentions j'aime reçues de 354, le nom du projet... Un travail d'un siècle en 20 ans de Mélina Dufault et Jérémy Tremblay, donc dans la catégorie vulgarisation. L'équipe a présenté une recherche sur les pyramides de Gizeh qui explique en détail le travail colossal derrière la construction de ces monuments de l'Égypte ancienne. Félicitations! Félicitations à tous les gagnants. C'est maintenant la fin de l'événement d'Expo Sciences 2022 pour la finale locale du Cégep de Thetford et du CSSA. Nous tenons à remercier beaucoup de partenaires qui nous ont aidés à rendre cet événement un beau succès. Donc, première des choses, nos participants, sans qui on n'aurait nécessairement pas eu de finale locale. Vous avez réalisé de beaux projets. Vous avez surmonté avec brio aussi les difficultés que vous avez rencontrées. Donc, ça, c'est les premiers qu'on voulait remercier parce que nécessairement, s'ils n'étaient pas là, on n'avait pas de projet. On voulait aussi remercier tous les juges qui ont participé à l'évaluation des projets des étudiants. Donc, sans eux aussi, les étudiants n'auraient pas eu de commentaires sur qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer ou qu'est-ce qu'ils ont bien fait dans leur projet. Donc, pour les juges, nous avons David Gendron, qui est chercheur senior chez Chemitech, Jean-Yves Bergeron, également chercheur senior chez Chemitech, Juliette Garcia, qui est directrice adjointe au développement des affaires chez Chemitech, Élie Carrier, qui est assistant scientifique chez Chemitech, et Kathleen Gay, qui est coordonnatrice du Centre d'accès à la technologie en géométallurgie chez Coalia, Lei Hu, qui est chargé de projet chez Coalia, Jean-François Grenier, chargé de projet chez Coalia, Chantal Pichet, qui est cadre adjointe à la recherche au Cégep de Thetford, et Ouda Oudouche, responsable de l'action éducative du Musée Minéraux de Thetford. Nous tenons également à remercier le Musée Minéraux pour sa collaboration avec les juges d'Expo Sciences pour cette année. C'est une collaboration spéciale qu'ils ont choisi de faire. Et grâce à vous, les étudiants ont réussi à avoir des commentaires sur leur projet. Donc, nous voulons vraiment vous remercier, tous les juges qui ont participé. Nous voulons également remercier le CSSA pour leur implication au niveau secondaire et aussi dans la promotion de l'événement et dans le décernement des bourses. Un merci spécial à l'enseignante Mélanie Bélanger et aux techniciens en travaux pratiques Yannick Bouffard qui ont encadré les équipes des polyvalentes. Remerciements à l'équipe d'audiovisuel du Cégep de Thetford. Un merci spécial à Stéphane Couture qui s'assure que l'événement d'aujourd'hui se déroule rondement. Donc, sans lui, on n'aurait pas pu faire une aussi bonne diffusion en direct sur YouTube. Un gros merci aussi à Denis
qui est le technicien de laboratoire ici au Cégep de Thetford, qui a aidé les équipes lors de la réalisation de leur projet. Nous aimerions également vous remercier, vous, le public, qui ont participé lors du vote pour le projet Coup de cœur des étudiants. Donc, on voulait vous remercier de votre participation de ce côté-là. Et finalement, bien, on vous invite à suivre les gagnants de l'édition de cette année lorsqu'ils vont se rendre à l'édition de la capitale nationale qui va se tenir le 31 mars 2022 en virtuel. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bonne soirée à tous.